Zambaleta duende, a doma cabeza quebrada, zambale precisaba, e de umas boas lámparas, zamba, 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 orele, zamba, 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 orela, zamba, 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 orele, a doma cabeza quebrada, zambale e balado, y la lata son mil mozos, y lo que tengo son dedos, pues conforme. Samba, 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 olala. Samba, 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 olele. Samba, lele, es malada. Samba, lele, está duente. Dado una cabeza quebrada. Samba, lele, precisaba. Y de unas boas lámparas. Samba, 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 olele. Samba, 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 olala. Samba, 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 olele. Dado una cabeza quebrada. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour découvrir une nouvelle petite guitare qu'est le cavaquinho. Le cavaquinho, qui viendrait de la guitare baroque espagnole, c'est lui qui a donné naissance au ukulélé dont nous avons parlé précédemment. Le cavaquinho, comme la plupart des guitares, est composé d'une caisse, d'un manche, d'une tête, et lui possède quatre cordes rangées comme la plupart des fois, de la plus aiguë à la plus grave. L'avantage de cette petite guitare, de ce cavaquinho, c'est qu'il est accordé avec un accord ouvert. Il n'y a pas besoin de mettre les doigts pour que ça sonne tout de suite comme un accord. Ce qui fait que l'on peut facilement faire des musiques avec un seul doigt. C'est un instrument très apprécié pour surtout faire des rythmiques, faire des rythmes qui accompagnent les danses, qui accompagnent les chansons plutôt enlevées pour nous faire danser. Le cavaquinho, d'origine portugaise, a beaucoup voyagé, notamment au Brésil, et c'est là-bas qu'il a été popularisé, pour accompagner notamment les sambas. Il était une fois un homme qui vivait sur les hauteurs de Rio, un homme très pauvre. Un jour, il a décidé de quitter sa maison pour aller voir si la vie n'était pas plus belle ailleurs. Il a longtemps marché, tant étant marché, qu'il a fini par arriver devant une belle maison qui ressemblait à un palais. La porte était ouverte. Comme il était fatigué, il a voulu demander l'hospitalité. Il a frappé à la porte. Comme il n'y avait pas de réponse, il est entré doucement pour ne pas déranger. Il est arrivé dans une grande pièce. Il y avait un feu dans la cheminée. Un fauteuil devant le feu. Comme il était fatigué, il s'est assis sur le fauteuil pour profiter de la chaleur, en espérant pouvoir rencontrer les habitants de cette maison. À peine s'était-il installé qu'il a entendu une voix derrière lui. « Le dîner est servi !» L'homme s'est levé d'un bond. Il s'est retourné. Et il a vu derrière lui une table recouverte de choses succulentes à manger. Puisqu'il marchait depuis très longtemps déjà, il avait très faim. Alors il s'est installé à table, mais plutôt que de dévorer comme un vaurien, il a pris un petit peu de tout pour ne pas se faire remarquer. Juste ce dont il avait besoin pour se rassasier. À peine a-t-il fini son dessert qu'il a entendu une voix derrière lui. « Le café est servi !» Il se retournait de nouveau, et cette fois-ci c'est auprès du fauteuil qu'il a vu une petite table avec un café fumant dessus. Il est allé s'asseoir dans le fauteuil, a bu deux gorgées.
et a reposé le café. Dès qu'il a reposé la tasse de café, il a réentendu la voix. « La chambre est prête !» Et cette fois-ci, dans le fond de la pièce, il a aperçu une petite entrée, une petite porte ouverte. Il s'y est dirigé. Il a pu entrer dans une belle chambre, aux meubles dorés. Le lit semblait très confortable. Les tableaux au mur étaient magnifiques. Comme il était fatigué, il a voulu se reposer, mais il ne s'est pas allongé sur le lit, il ne voulait pas déranger. Il s'est allongé sur un petit fauteuil près de la fenêtre. Il s'y est endormi. Le lendemain matin, lorsqu'il a ouvert les yeux, une femme se tenait au-dessus de lui. Il était un peu surpris, n'osait rien dire. « Bonjour, jeune homme, a-t-elle dit. Vous êtes ici chez moi. Je vois que vous avez pris soin de ma maison. Alors, pour vous remercier, j'aimerais vous faire visiter mon jardin. Acceptez-vous ? » « Oui, a bredouillé le jeune homme. » Et il l'a suivi. Cette femme était magnifique. Il la suivait sans mot dire. Elle lui montrait les fleurs de son jardin. Elle lui montrait les arbres, l'étang, les canards qui s'y baignaient. Alors qu'il se promenait tranquillement sur les allées du jardin, un petit coup de vent a soulevé la robe de la jeune femme, laissant se découvrir ses jambes. Le jeune homme, lorsqu'il a vu ses jambes, n'a pu s'empêcher de rougir. Elles étaient belles. Mais il n'a rien dit. Et la visite s'est poursuivie, jusqu'à revenir devant la maison. La jeune femme s'est retournée. Jeune homme, maintenant que vous connaissez ma maison, mon jardin, quelle est la chose que vous avez préféré regarder chez moi ? Madame, je suis désolé. Votre jardin est magnifique. Votre maison est splendide. Mais ce que j'ai trouvé de plus joli, ce sont vos jambes. Mes jambes, a répondu la jeune femme. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Et les choses se passant bien dans les contes, ces deux-là se sont mariés. D'ailleurs, j'ai été invité à leur mariage. On a servi de choses succulentes à manger et on a fait la fête. Et on a dansé, on a chanté. Sambalélé à Noël. Sambalélé est malade. Sambalélé à Noël. Ado ma cabeza quebrada. Sambalélé precisaba. Et de umas boas lampadas. Samba, 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 olélé. Samba, 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 olala. Samba, 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 olélé. Ado ma cabeza quebrada.